Depuis 2013, Sylvie Genali est la super nanny qui sauve la vie des parents en détresse. Pour ses 10 ans d'antenne dans l'émission de TFX, la gouvernante la plus connue du PAF nous a accordé un entretien. Super Nanny est de retour. Sylvie Genali reprend du service ce mercredi 15 février dès 21h05 dans une nouvelle saison du programme culte de TFX. Et cette année n'est pas n'importe laquelle puisque cela fait 10 ans que la gouvernante est à l'antenne dans l'émission. Près de 90 familles, environ 900 conseils prodigués, plus de 190 enfants rencontrés. Les chiffres de Sylvie Genali donnent le tournis en 10 ans de carrière sur le petit écran. Après le décès de l'inoubliable Cathy Sarahi en 2010, c'est elle qui a incarné l'émission, sur NT1 puis TF1 pour finir aujourd'hui sur TFX. Après avoir été longtemps gouvernante d'enfants, elle est devenue à son tour l'héroïne du programme, qui avait cessé de proposer des inédits. Je suis tellement étonné d'être à l'antenne depuis 10 ans, je suis tellement étonné d'être à l'antenne depuis 10 ans, le temps passe tellement vite, nous lâche-t-elle. En effet, depuis 2013, elle va à la rencontre de familles en détresse pour les aider à reprendre en main l'éducation de leurs enfants. C'est d'abord avec les parents qu'il faut travailler, c'est une évidence. Après, cela fera un effet miroir avec les enfants. On est leur seul exemple à la maison et au quotidien, donc autant être un bon exemple, explique la gouvernante en affirmant que l'émission est pour elle une expérience incroyable, tellement magique, parce qu'on est dans l'humain. En une décennie, le programme a évolué. Il est arrivé que je ne m'entende pas avec des productrices avec lesquelles j'ai travaillé sur Super Nanny, dans leur exigence ou leur façon de faire, mais ce sont des échanges, confesse Sylvie Genali avant de préciser que l'actuelle productrice du programme, Vanessa Broussoulou, l'a fait évoluer dans le bon sens. J'ai besoin d'apporter mon aide aux gens, mais comment fait-elle pour, toujours, garder son calme et sa patience dans certains cas assez difficiles depuis 10 ans ? Je sais que je vais voir des visages qui vont s'épanouir, être rayonnants. Les parents ne vivront plus dans les cris. C'est une vraie récompense quand j'entends les mamans me dire, vous serez notre nanny toute notre vie. De par mon métier de gouvernante, qui est un vrai choix, j'ai toujours eu le besoin d'être au service d'eux. Alors bien sûr, certaines personnes vont se dire mais elle est folle cette fille. Quel est le plaisir d'être au service d'eux? Moi, c'est un vrai plaisir, c'est comme ça que je m'épanouis, il n'y a pas de jugement à porter. J'ai besoin d'apporter mon aide aux gens, nous avoue Sylvie Genali qui concède avoir une petite nostalgie de son métier de gouvernante en dehors des plateaux télé. Cette dernière garde d'ailleurs un lien privilégié avec certaines familles, s'ils le veulent, je suis là. À lire aussi, ça apporte un certain confort financier, Sylvie Genali, Super Nanny, dévoile son salaire comme gouvernante.